Allez, la tension est à son maximum. 10 tours, allez, première attention. Ligne, je vous le rappelle, Vincenot, Gonnet, Dabir, Colomban. On attend l'extinction du feu rouge, ils ont allez, c'est parti. Et Germain Lestot qui part bien, et Dabir qui part très bien. Ouais, Sylvain Dabir qui part très bien. On a l'impression également que Julien Colomban n'est pas mal parti. Ça tape un petit peu à l'extérieur dans le mur de neige. Vincenot garde pour l'instant le all-shot. Germain, Gonnet. Dabir, il est un peu plus loin. Dabir est 5. Il est 5, oui. Allez, ça s'est accroché un petit peu. Allez, Germain, Gonnet. Julien Colomban, 3, ah, 4, c'est qui? Maxime Emery. C'est Maxime Emery qui voilà. Est déjà revenu. Sylvain, il est loin. Hein. Ouais. Là maintenant, il va sixième. Falloir mettre du gaz. Hein. Il est 6e, mais Luc Severna motrice énormément dans la montée vers l'épingle du haut du circuit. Allez, et Germain Weston est en train de se faire la malle. Ouais, hein. Forte impression. Hein. Bon, on a chrono, il est on hyper a une à l'aise. Chute, le pilote est en train de se relever à l'arrière du peloton. Allez, Germain. Allez, pour l'instant, Germain Weston qui a pris 2 ou 3 secondes. Allez, Maxime Emery qui passe 3. Sylvain, il est déjà là. Il est déjà 4. Julien Colomban a perdu 2 places. Oui, alors pour l'instant, on a Vincenot, Gonnet, Emery, Dabir, Colomban, Méo qui est déjà là, Depunier, Goguet, Martinez, Perresson, Malich, Brancibala et Vincenot avec 1 seconde d'avance sur Gonnet et 2 secondes et demie sur Maxime Emery. Ah, nickel. Là, on va voir. Alors, devant, allez, là. Antoine Méo qui n'a pas roulé depuis 6 ans sur la glace, il est déjà 6e. 6e, oui. C'est fou. Ah, oui, il est chaud. Hein. Ah, il oui. est chaud, il a Sylvain Dabir et Julien Colomban devant. Ah là, ça se bat à tous les étages. Hein. Alors, Sylvain Dabir, vous le reconnaissez facilement sur vos écrans, puisque c'est lui qui a le phare jaune. Voilà, il est tout en jaune fluo. Il est tout en jaune, il a le maillot jaune, il a le phare jaune. Oh là là, allez, Germain Vincenot, tranquille, hein, là, normalement. Par contre, petit souci de faire pour Vivien Gonnet. D'ailleurs, regardez la bagarre entre Emery Dabir et Colomban. Alors, tous les trois, là, je peux vous dire, ça ne va pas faire ce cadeau. On a une fuite, j'ai l'impression, là-bas, puisqu'on a un drapeau jaune. Attention, oui, là, c'est dangereux, hein, par contre. Dans, oui, à cet endroit, là, chute de Méo. Ah, mince. Dommage. Non, mince. Ouais. J'espère que ça va. Antoine Méo, ça va, Antoine repart. C'est bon. Allez, super. Antoine est reparti alors qu'il était bien placé. Ah non, c'est pas le meilleur endroit ici, c'est chaud patate. Hein, allez, on va suivre la bagarre. Maxime Emery, Sylvain Dabir. Là, c'est la plus importante, celle-là. Et puis attends, il y a Colomban avec. Hein. Ouais, ils sont où? Ils sont là. Allez, Germain, ça va pas mal. Germain est là. Vivien Gonnet aussi. Ah, ça c'est un peu distendu. Maxime Emery, 3, toujours. Et après, on doit avoir normalement Dabir, Colomban. Ouais. Attends, on va vérifier ça. Voilà Gonnet qui passe. Voilà. Allez, Maxime Emery, Sylvain Dabir, Julien Colomban. Julien Colomban, et là, le 53. Eh bien, je vais dire, c'est Goguet. Ouais, avec la 500. Avec la 2 temps, je te dis pas. Avec le truc inconduisible, et il est là. Ah ouais, non, mais exceptionnel. Magnifique. C'est un invité, hein, il va pas compter, mais il fait des trucs magnifiques. Multi-champion de France de Supermode, ça va, ça va pas mal. C'est bon, ouais, c'est pas un enfant de terre. Il me dit, je suis asphyxié. Déjà, l'escargot, je peux plus respirer. Donc, c'est bien, c'est bon. Signe. En attendant, Germain Vincenot est en train de faire une course remarquable, double champion de France de super motard. Il est en train de se balader sur ce circuit. Regarde ça, ce qu'il est en train de remettre. Il avait 1,5 secondes, presque 2 secondes d'avance. Ouais. Regarde ça. Alors d'habitude, il est un peu pénalisé par son physique. Il a 4 secondes. Oh, c'est énorme. Allez, Sylvain qui vient de passer Maxime Emery. Et attention, Colomban, il est dans la roue maintenant de Maxime. Hein. Allez, Maxime à l'intérieur. Ouh là là, ça va être chaud. Attention, ça se touche. Se touche entre Sylvain Dabir et Maxime Emery. Ouais, super Maxime. C'est toujours Maxime Emery qui est devant. Julien Colomban qui est revenu au contact. Là, c'est chaud là. Sylvain Dabir qui décroche un petit peu. Ça permet à. Allez, Maxime Emery qui a pris 2 mètres d'avance là. À l'accélération. Oh là, la bagarre des trois là. Ouh là là, Sylvain, il perd la moto. Ça fait plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois que Sylvain Dabir a peut-être un problème de pression de pneus. Ouais, alors qu'on a eu une chute également dans le centre du circuit. Peut-être un problème de pression de pneus pour Sylvain Dabir. Ça fait plusieurs fois qu'il perd le guidon de la moto là. Et super course de Kevin Malich, 6, Randy Perresson 7, Brancy 8, Sébastien Valla 9, Grégoire Martinez, ouais, super course. Hein. Ah, c'est génial. Ah, Randy qui a dû tomber, il est 14e. Ah ouais, Randy il a fait comme son pneu, il est chaud, Randy. Tombé. Et devant, Vincenot continue sa balade tranquille. Gonnet limite les dégâts, il dit bon, c'est derrière que ça va se passer. Mais derrière par contre, le groupe Emery, Dabir, Colomban, c'est la guerre les C'est beau. Hein. Là. Allez, Maxime Emery qui a pris un peu de distance sur Sylvain. Allez, là, c'est des gros points. Hein. C'est des gros points qui partent. Et là, il va falloir compter. Hein, parce que je vous le rappelle, c'est l'addition de la finale et de la super finale pour classement général. Oh, superbe dérive, là, vous l'avez vu, de Julien Colomban avec son numéro 17. Allez, alors que Maxime Emery, on dirait...
je sais pas, et Sylvain Labert qui vient de taper dans le mur de neige, vous avez vu, alors que ouais, Maxime Emery ne prend pas les murs de neige. Eh oui. C'est pas tout à fait le même pilotage, ouais. Exactement. C'est un choix. Ouais. C'est un choix. Allez, oh, attention, Sylvain Labert là qui a failli une nouvelle fois perdre l'avant de Luc Severlin. Ouais, Germain, c'est la balade. Ouais, Germain. Tranquille, hein. Germain Vaston, si pour l'instant, ça, avec on est pas presque mal. 5 secondes d'avance sur Vivien Gonnet. Ah ouais, vu les essais chrono qu'il a fait, très à l'aise. Ah ouais. Regarde, là, dans le dévers, là, c'est le seul qui bouge pas. Il est tranquille. Propre. Et Vivien Gonnet, deuxième, magnifique, qui sera chez lui le week-end prochain. Il y a des points importants qui sont en train de se jouer là. Ouais. Puisque Sylvain Labert n'est que quatrième pour l'instant. Il va perdre de gros points. Et là, on voit qu'il n'est pas bien, Sylvain Labert. Regarde, il a décroché. Il est moins à l'aise, hein. Et là, il a décroché de la bagarre avec Maxime Emery pour l'instant. Attention, Maxime Emery aussi qui remonte hein, sur Vivien Gonnet. Exactement. Et Sylvain Labert qui n'a pas pu suivre, regarde, tu vois. Il revient. Et il commence à taper dans les murs de neige aussi. Allez, il va rester. On vient de le voir. Combien de tours? Trois tours. Allez. Il va rester trois tours, mais Germain Vaston est toujours en tête. Allez, Vivien Gonnet. Le voilà, Vivien. Ouais, il est pas loin, Maxime Emery. Hein. Non, il est super pas loin. Super course de Maxime. Hein. Ah, il a 6 secondes quand même. Hein, ouais, mais bon. Ouais, mais bon. De Gonnet. Vivien Gonnet, oui. Ouais, il y a 2 secondes. Il y a 2 secondes d'écart. Allez, entre Vivien Gonnet. Gonnet, ça rentre à l'intérieur, propre. Ça s'est un petit peu écarté, là. Germain, c'est la balade. Ouais, allez, une petite chute, là. Attention, il est sur la piste. Là, il est coincé. Ah. Allez, il faut l'aider, là, les commissaires, s'il vous plaît. Ouais, c'est encore Antoine Béot qui est là. Ah, il peut pas sortir de la... Ouais, mais on va l'aider. Voilà, ça va, allez, ça y est, c'est parti. Ça va, tout va bien. Il est chaud, Antoine. Allez, Antoine. Il en peut plus. Allez, Antoine, on y va, là. Ah bah lui, pour le spectacle, il n'y a pas de souci, il est là, il est présent. Ça, c'est clair. Allez, on revient du côté de la tête de course, quand même. Allez, Sylvain qui remonte sur Maxime à nouveau. On n'est pas loin du terme de cette première finale, avec toujours Vincenot, Gonnet, Emery, Dabert et Colomban. Ouais. Les 5 premiers de cette finale, à l'avantage toujours de Germain Vincenot, avec un avantage confortable. Il a plus de 5 secondes. Oh, regarde les trois, là. Regarde, Gonnet, Emery, Dabert. Voilà. Ouh là, c'est là, la ça va être chaud, là. C'est là, la bagarre. Ah ouais, magnifique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de suivre sur les écrans? Eh bien, on a en ce moment le leader avec son Honda numéro 14. C'est lui qui est en tête en ce moment, qui est en train de prendre un tour à Étienne Parseillan d'ailleurs. Germain, tranquille. Et on va lui signifier qu'il lui reste un tour lorsqu'il va passer, je pense. Oui, voilà, dernier tour, le voilà. On allez, le signifie. Allez, Germain. Dernier tour pour Germain Vincenot, la Honda numéro 14 en tête de cette finale. Ensuite, top. Le deuxième, le voilà. Vivien Gonnet numéro 4. Maxime Emery numéro 1 qui est là. Et Sylvain Labert qui est revenu. Dans le dernier tour, ça peut se jouer encore une fois entre les trois. Ouais. Elle est là, la bagarre. Elle est là, entre Gonnet le 4, Emery le 1 et Dabert le 3. Regarde, ça klaxonne, hein, Maxime Emery. Je te dis pas le dernier freinage, là. On va suivre la descente, au secours. Alors, Germain Vaston est en train de allez, Max. Consolider sa place pour aller chercher la victoire. Mais derrière, ouais, Gonnet, c'est le moment que ça se termine. Oui. Ah, il y a une chute, j'ai l'impression. Là, je peux dire que t'es asphyxié. Hein, là, voilà. Tu finis la manche. Allez, Germain, Gonnet qui est tombé. Allez, Germain. Le voilà, Germain Vincenot qui va arriver. Super. Et là, on a le 14 qui magnifique. Va voilà qui est fait. Bravo. Allez, la descente, là, ils sont où? Alors, ils sont où? Voilà, ils sont là. Oh, l'arrivée. Je voudrais voir l'écart entre Gonnet et Emery. Je vais te le dire, il y a 4 centièmes. Ouais. Il y a 4 centièmes, donc victoire de Germain Vincenot. Deuxième place pour Vivien Gonnet. Troisième place pour Maxime Emery à 4 centièmes. Et quatrième place pour Sylvain Labert à 2 dixièmes.